Il avait une chemise en soie blanche avec des grandes manches et puis un grand col. Et puis une cape en soie noire attachée devant avec une petite chaîne d'or et tout un tas de... Il est venu déguisé comme ça à la foire de Barneville ? Mais il ne s'était pas couché de la nuit. Il avait des grandes marques violettes sous les yeux et puis tout le reste de sa figure était blanc. Mais qu'est-ce qu'il faisait à la foire aux bestiaux ? Il marchait, comme ça. Puis, il faisait des petits trous dans le sable avec sa canne, toute noire, avec des petits dessins en or. Il regardait quoi ? Les vaches ou les cochons ? Mais il me regardait moi, bêtasse. Et les gars, ils se fichaient pas de lui ? Mais non, ils étaient tous là, le regarder sans bouger, comme sur une peinture. Moi, il m'a dit, je suis venu pour acheter un cheval. Est-ce que vous voulez bien m'aider à choisir, car je ne connais pas grand-chose. Mais alors, t'as dit quoi ? Rien. Je peux pas parler. Mais pourquoi il te l'a demandé à toi ? T'y connais rien non plus en chevaux. Parce que je le regardais. Il m'a regardé. Il a traversé toute la place du village et il s'est arrêté devant moi. Hein, faut croire qu'il avait ses raisons, hein. Et après ? Il avait une voix grave et douce. Il m'a dit, comme vous êtes pâle, il a pris ma main. Il a dit, comme vos mains sont fines, que faites-vous ici ? Vous n'êtes pas à votre place. Il t'a demandé de partir avec lui ? Oui. Où ça ? Sur la ligne. Oh, c'est pas vrai alors ! Mais qu'est-ce que j'irais faire à la foire aux bestiaux de Marneville, moi ? Et si ça avait été vrai, tu serais partie ? Ben, je sais pas, moi, ça dépendrait de ce qui me passerait par la tête à ce moment-là. Et on s'assied un petit peu ? Bah, faut y être avant 11h. Allez. Bon, moi j'y vais. Bonne route. Bonjour messieurs, je vais à Feuilleforte, le domaine qui est à droite en allant sur Cricbave. Vous voulez bien me rapprocher un peu ? On passe quasiment devant Feuilleforte pour rentrer chez nous. On prend la demoiselle, monsieur ? Oui, bien sûr. Merci. Monsieur Erard est parent de cette Feuilleforte. Ah. On habite plus loin, vers Ecmouville. On peut la prendre avec nous. Oh. Eh oh, tu te dépêches. Bonjour tout le monde. C'est tout ou bien il y en a encore? Mettez-vous derrière avec monsieur Erard. Je m'appelle Blanche. Et moi, Georgette. Et moi, René. Voilà, nous c'est vrai. Le vieux monsieur de Cour est mort, c'est son fils qui est venu de Paris qui va reprendre le domaine. Ah ben c'est ce que nous a dit monsieur Vasseur, régisseur. Il est venu au village chercher des filles pour être femme de chambre à Feuilleforte. Ils en veulent combien ? Juste une, c'est pour servir la nouvelle maîtresse de la maison. Alors ce sera l'une ou l'autre ? Ben oui. Oh là ! Voilà Feuilleforte. Merci, hein. Si vous travaillez là, on sera sûrement amené à se revoir, vu qu'on est parents avec ceux de Feuilleforte. Oh, bah ça me fera plaisir. Au revoir. Au revoir. Ne t'a même pas remercié. Ah, ben manquerait plus que ça. C'est une faveur de voiturer deux belles gosses comme nous. Attends. Ah.
Bonjour, ma petite Évangeline. Comment te sens-tu ce matin? Ben bien, bien. Annette me dit que vous êtes prête et je vois que vous changez de bottine. Oui, je change de bottine. Ben, je vois bien. C'est trop triste, tout ce noir. Regarde, hein? On ne les voit pas, mais moi je sais que j'ai des bottines rouges et je me sens plus gaie. Supposez qu'il y ait un coup de vent ou que vous trébuchiez, les gens penseront que vous êtes devenue folle. Ça m'est bien égal. Ben, tu leur diras que je suis devenue folle de désespoir d'avoir perdu mon pauvre Albert. Enfin, tu leur diras ce que tu voudras, mais moi, je ne veux plus voir ces horribles bottines noires. Tu m'entends? Allez, à sport. Ce qui est à craindre, c'est que les gens se demandent si vous avez la moindre peine que Monsieur de Cour soit mort. Je te jure que si on me disait que mon pauvre Albert va ressusciter, si je porte ces bottines noires, je les mettrais. Peut-être. J'irai pas avec vous au cimetière si vous gardez ces bottines-là au pied. Tant pis, j'irai toute seule. Et comptez pas sur moi pour vous les attacher non plus. Ne croyez pas que vous y arriverez toute seule. Tu as raison. Il est bien loin notre baptême à toutes les deux, ma pauvre vieille. On est bien raccornis. Pas la peine de rappeler tous les souvenirs du passé pour m'attendrir. Mettez votre pied là-dessus. Bonjour, Clara. Vous avez bien dormi, ma chérie? Bonjour, ma mère. Vous sortez? Vous ne voulez pas rester un peu? Vous ne voulez pas m'aider à faire mon choix? Je suis si heureuse que vous soyez là. C'est vous qui allez être chargée de toutes les corvées, ma chérie, maintenant. Moi, je ne m'occupe plus de rien. C'est entendu. Et où allez-vous comme deux écolières en goguette? Au cimetière. Allez, mangez. Mangez bien. Va, mon petit, continue. Je t'écoute. Jusqu'à maintenant, j'ai travaillé avec ma mère comme blanchisseuse. On a même eu du linge d'ici, des fois. Je regrette de devoir choisir l'une de vous deux. C'est Georgette, n'est-ce pas? Oui, madame. Tu as quel âge? 19, madame. Puis mes 12 ans, j'ai aidé mes parents à la boulangerie. Pour ce qui est de la pâtisserie, je crains pas la concurrence. Ça, je peux le dire. Et puis, quand Monsieur Vasseur est passé dire que vous cherchiez du monde pour ici, je me suis dit que ça me ferait du changement. À mon âge, j'en aime le mouvement. C'est naturel, madame. Vous ne trouvez pas? Ici, ce qu'il nous faut, c'est pas une fille qui aime le mouvement, c'est une fille qui aime le travail. Nous, on est des pauvres filles, madame. On est forcées de travailler, mais on peut pas nous forcer à aimer ça. Il vaut mieux pas prendre cette fille-là, madame. On voit tout de suite que c'est une insolente de la pire espèce. Mais je suis là, madame. Elle parle devant moi comme si j'étais une table. Vous l'entendez, madame? Mais moi, j'entends quelques questions qu'on me prenne ou qu'on me prenne pas, alors attention. J'ai pas encore dit, moi, si je voulais rester ici. Oh, madame, ça me retourne de l'entendre parler comme ça devant vous. Vous en faites pas, c'est fini. Je m'en vais. Ça me disait rien de rester ici. Il y a des gens, rien que de voir la jeunesse et la beauté, ça les rend enragés. Sors d'ici, espèce d'insolente. Ma cousine Blanche vous conviendra bien mieux que moi. Elle est assez bécasse pour aimer ça. Travailler. Je voudrais rêver toute ma vie. Ninon, je t'aime à la folie. Si tu ne veux pas. Alors c'est vrai que tu es assez bécasse pour aimer travailler? J'ai peur de dire des sottises, madame. Je ne suis pas aussi bien posée que Georgette. Ta cousine Georgette parle trop pour son bien. Georgette, quand elle parle, elle peut me faire rire ou pleurer à son idée. Tu es bonne lingère? Oui. Moi, j'aime ça, le linge. J'aime bien quand le linge sale devient propre. J'aime bien le savon, l'odeur de la cire. Tu as l'air d'une brave fille, Blanche. Je serais ravie de t'avoir à mon service. Veux-tu que j'appelle Annette pour qu'elle te montre où tu vas loger? Moi, je demande pas mieux, madame. Voilà. On couche là, toi et moi. Oh, pourquoi t'as mis ce petit bout de rideau, là? À cause du soleil. Sous le toit, il fait étouffant en été et glacé en hiver. Oh, c'est vrai qu'il fait chaud. Alors, d'un côté, il y a mes pères et mères. De l'autre, il y a mon frère, Émile Auguste. Puis ma grand-mère. Et puis tout au fond, le bel Armand. Monsieur Vasseur.
Regarde, lui, il est fou de jupe. Ouais, c'est vrai qu'il a de belles dents, monsieur Vasseur. Et de belles épaules. J'ai tant pleuré pour toi. Qu'est-ce que tu viens faire ici avec tes sérénades au lieu de travailler? Je viens voir. Bon, eh ben t'as vu, elle est blonde et elle a des yeux bleus. Allez, ouste! Je m'appelle Émile Auguste. Et toi? Blanche. T'en prie, chante, t'en prie, chante. Alors, c'est la première fois que tu vas habiter hors de chez toi? Oui. Ah. Quel effet ça te fait? Ça me plaît. Ben, tant mieux. Ben oui. Bonjour Armand. Bonjour madame. Comment s'est passée votre matinée? Mal. Mon père a accumulé les erreurs. Sur toute écurie, il y a un cheval acceptable et 35 arnes de boucherie. Allons déjeuner, j'ai très peu de temps, j'ai rendez-vous avec deux maquignons. Je vous expliquerai ça plus longuement ce soir. Si vous en avez le temps, mon ami. Mon serviteur en vitesse, Léonce, j'ai très peu de temps. Bonjour quand même. Bonjour maman. Vous êtes très belle aujourd'hui. Vous avez l'air bien joyeuse. Je le suis, malgré tout. Quand repars-tu pour Paris? Oh, d'ici quelques jours. Oui, malheureusement, il le faut. Mais je reviendrai aussitôt que je pourrai, souvent. Il y a beaucoup à faire ici, maman, croyez-moi. Je suis très préoccupée de l'état dans lequel j'ai trouvé les choses. Arrête, mon chéri. Je suis bien trop vieille pour qu'on me raconte des histoires aussi ennuyeuses. Occupe-toi de tout ça, mais ne m'en parle pas. C'est promis. Quel enfant gâté vous êtes. Je ne le suis pas encore, mais j'ai décidé de le devenir. Maintenant que Clara est la nouvelle maîtresse de maison. Mais dites-moi, vous êtes sûre que vous ne changerez pas d'avis? Et que vous ne repartirez pas à Paris? J'en suis sûre. Et si vous vous ennuyez? Je ne pourrais pas m'ennuyer ici plus qu'à Paris. Je serais très heureuse de vivre avec vous. Alors, puisqu'il en est ainsi, vous serez amenée à mieux connaître les membres de notre famille qui sont fixés dans la région? J'en serais ravie, je les ai rencontrés au cours des étés passés, mais à vrai dire, je ne les connais pas vraiment. Et dès que vos garçons seront arrivés, ce serait gentil d'organiser une petite réunion de famille. Absolument. Je me souviens que votre cousine Alix est une femme d'une forte personnalité. Oui, oui, oui. Un peu trop pour mon goût. Vous avez trouvé une fille pour votre service? Oui. Une très gentille fille, je crois. C'est parfait. Allez, bébé. Tu mangeras pas de ma cuisine avec cette odeur de cire sur les mains. D'accord, mais alors c'est toi qui me laves comme quand j'étais petit, mémé, d'accord? Oh. J'ai tant pleuré pour toi. Et pas ton charmeur pour les beaux yeux de Blanche. Vous faites comme tout. C'est pas vrai, Blanche? Oh, mais mémé, alors... Monsieur Armand. Sois ma beauté. Il faudrait déjà que j'ai fini. Te voilà, toi. Comment tu t'appelles déjà? Blanche. Blanche Guillaumeau. Elle va travailler ici, monsieur Armand. Eh bien, tâche qu'on soit content de toi. Je ferai de mon mieux, monsieur Armand. On verra ça. Si vous aviez entendu les sottises que nous a dites la Georgette à madame Lenoir, j'avais les mains qui me démangeaient. J'aurais bien mis à travers la figure. Quelle effrontée. Elle tournera pas bien, cette fille-là, c'est moi qui vous dis. Tu m'as l'air bien gourmande. Je me rendrai malade de manger, j'aime tout. Vous n'allez pas reprocher à cette petite ce qu'elle mange. Il faut des forces pour travailler. Mais au contraire, moi j'aime les filles gourmandes. Il ne faut pas me laisser seule avec les gâteaux, madame Évangeline, parce que je ne sais pas si je pourrais résister à la tentation. Et si on te laisse seule avec des beaux gâteaux, tu résistes ou pas? Oh, voulez-vous pas dire des choses comme ça, monsieur Armand? Tu ne réponds pas? Pas tant que ça. Tu sais répondre? Je ne sais pas si je pourrais résister tant que ça. On t'entend pas aujourd'hui, Annette. J'ai rien à dire.
Allons, de terre. Cet homme-là, il a fait le malheur de bien des filles. Blanche, prends garde à toi. Ne vous préoccupez pas pour moi, madame. J'ai pas le goût du malheur. Alors, t'es pas comme celle-là. Bon, si t'as fini, je pourrais t'emmener chez toi chercher tes affaires. J'ai fini. Excusez-moi de n'être pas rentré plus tôt. Monsieur Hutin m'a retenu à dîner. Monsieur Hutin? Oui, c'est un maquignon. Il a un cheval qui m'intéresse. Comment est sa femme? Vous avez raison, ma question est de mauvais goût. D'ailleurs, en la posant, j'avais l'impression de chanter une vieille rengaine totalement démodée, qui de temps à autre revient à ma mémoire. Parlons de votre cheval. Non, parlons de vous. Merci. Je vous suis reconnaissant de rester à Feuillefort. Oui, j'aurais été préoccupé de laisser ma mère seule ici. Mais je vous ai rassuré que vous ne prenez pas cette décision sur un coup de tête, que vous avez réfléchi, et que vous pensez vraiment être plus heureuse ici qu'à Paris. Je vous remercie, Henri, de votre sollicitude. Je suis lasse de Paris et de cette agitation mondaine qui remplit ma vie et me laisse plus vide qu'un seau percé. J'ai besoin de feuilles fortes. Il me semble qu'ici, petit à petit, je deviendrai très sage. Et plus je serai sage, plus je serai heureuse. Je l'espère, en tout cas. Voilà donc qui est réglé. Maintenant, si vous le permettez, je vais aller me coucher. Oui, je veux être aux écuries à 6 heures demain. Bonne nuit, ma chère. Bonne nuit, Henri. Nous nous sommes rencontrés chez des amis. Jules est étudiant en géologie. Nous avons eu ce soir-là une conversation véritablement passionnante. Nous n'avons pu la prolonger jusqu'au bout. Aussi ai-je demandé à Jules de venir quelques jours à Feuillefort avec moi. Il a bien voulu accepter. Il doit ensuite repartir avec d'autres amis géologues en Bretagne. Mais je ne savais pas que tu t'intéressais tellement à la géologie. Moi non plus, je ne le savais pas, mais j'étais véritablement passionné. Maman, vous ne sauriez imaginer comme il sait rendre vivantes les pierres dont il parle. Mais entre donc, curieuse. Les voilà, Blanche, voilà mes fils. C'est Blanche, ma nouvelle femme de chambre. Bonjour, monsieur. Jules a aussi beaucoup étudié les volcans. Maman, je suis sûre que ça vous passionnera. Et qu'est devenu ce garçon qui parlait latin? Nous sommes brouillés, nous avions sur César des idées trop contraires. Il était impossible que nous puissions rester amis. Sur Jules César? C'est un républicain forcené quand il s'agit de Rome. Il a jamais pu admettre mon admiration pour Jules César. Aussi, après quelques empoignades, nous avons décidé de ne plus nous voir. C'est mieux ainsi. Quoique, j'ai pour Brutus une estime, et même de l'admiration. Enfin, tout ça, c'est du passé. Oh. Allez, assez bavardé. Je vous trouve pas l'eau, tous les deux. Allez respirer l'air de la mer. J'aurais aimé voir ton ami Jules à cheval. Fiche la paix à ce pauvre garçon qui dort mais qui mange à sa faim. Ça lui arrive pas si souvent que ça. Ah, je vois. C'est pas par ses capacités qu'il t'a plu. C'est par ses infortunes. Tu as si bon cœur, mon grand. Rien d'étonnant à ce que maman t'aime tant. Je prends par l'intérieur. Et toi? Par la côte.
Voilà un jeune homme qui vous demande, les enfants. Si je ne m'abuse, vous êtes notre cousin Raoul. Oui. Entrez, entrez. Oh, vous venez d'arriver sur la côte, je suppose. Vous avez un teint de chambrée. Nous sommes arrivés ce matin. Et vous restez jusqu'à quand? J'ai une permission de 2 semaines. Mon frère reste tout l'été. Votre chien s'est blessé? Il ne s'est pas blessé. On lui a cassé la patte. On ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Il vient de rentrer dans cet état. Je sais que c'est une carriole qui l'a heurté et qui est passée sans s'arrêter. Nous sommes à présent en garnison à Versailles, pas très loin de vous. Ah oui, il me semble que ma tante me l'a dit. Mais venez nous voir au Buc, notre messe est assez sympathique. Vous restez ici jusqu'à quand? Je repars à la fin de la semaine. C'est votre tante qui appelle, les enfants. Ah, vous avez sonné la cloche en arrivant. Oui. Alors ma tante veut sûrement savoir qui est arrivé. Venez avec moi, on va aller la voir. Essaie de marcher, mon chéri. Allez. Sauvage. Tu vois, tu peux marcher. Viens, viens. Viens. Viens, Dick. Bonjour. Bonjour. Vous ne m'en connaissez pas? Je suis Marcel Decour. Si, si, je vous reconnais. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Raoul et moi, nous avons pris des chemins différents. Comme toujours, Raoul a pris le bon et moi le mauvais. Je vois son cheval, ils sont déjà arrivés. Il est monté voir ma tante. Moi, je me suis retrouvé dans un chemin sablonneux qui aboutissait à une carrière. Cette pauvre bête est tombée, j'ai eu peur qu'elle se soit cassée la patte. Mon chien a une patte cassée. Vous avez drôlement grandi. Je vous aurais peut-être pas reconnu si je vous avais rencontré ailleurs qu'ici. Il faut bien se nourrir quand on grandit, c'est très important. Je me demande si vous vous nourrissez bien. Vous m'avez l'air un peu maigrichonne. J'ai un de mes amis qui est étudiant en médecine, il est passionné par l'alimentation, il m'a raconté des choses très intéressantes là-dessus. Je vous assure qu'il y a des gens qui savent rendre passionnant tout ce qu'ils racontent quand ils sont vraiment très bien renseignés. Oui, j'en suis sûr. Fanny, tante Alix sait que Marcel est arrivé, elle demande que vous montiez tous les deux. Pousse le verrou pour qu'on ne vienne pas nous embêter. Viens m'embrasser, ma Fanny. Je t'ai pas encore vue ce matin. Mets-toi là. Asseyez-vous devant moi, tous les deux. Grâce au ciel, vous ne ressemblez pas à cet enfant guinté d'Adélaïde. Comment va-t-elle? Très bien. Il y a un moment que je ne l'ai vue. Je crois que nous sommes brouillés. Je ne sais plus pourquoi. Elle ne vous l'a pas dit? Au contraire, elle nous a prié de vous inviter à Feuille-Forte. Oui, je sais, mais... Ah, ça y est. C'est parce qu'elle a encore fait la coquette avec Gabriel. C'est mon vieux mari. Il a été vaguement amoureux d'elle. Dans le temps. Alix! C'est lui. Je dors. J'entends des voix. Comme Jeanne d'Arc. Il y a des chevaux dans la cour. Qui est là? Ça ne te regarde pas, ce sont mes invités. Moi aussi, j'ai besoin d'une petite distraction de temps en temps. Je reçois des jeunes gens, les vieux ne sont pas admis. Tu n'es pourtant plus jeune, ma pauvre vieille, mais tu es aussi garce que quand tu l'étais. Il s'en va. Vous me trouvez garce? Je trouve que vous êtes terriblement coquette. Et je pense que vous menez ce pauvre homme par le bout du nez. Et vous, jeune homme, que pensez-vous de moi? Je ne comprends rien aux femmes. Leur comportement me paraît toujours... Absurde. Mystérieux. Raoul me dit qu'ils veulent aller à la Tour Route pour les inviter à Feuille-Forte. Je propose qu'on les accompagne. Voulez-vous que nous disions quelque chose de votre part à Marianne? Dis-lui qu'elle pourrait venir me voir plus souvent. C'est ma fille. Ah, elle est beaucoup moins réussie que mes neveux. Elle tient sûrement de son père. À vendredi, donc. Oui, madame. Au revoir, madame. Au revoir. Vous ne venez pas? Non. Au revoir. Au revoir. Tu avais pourtant envie de faire du cheval ce matin. Je vais rester près de tante Alix. Elle a l'air un peu triste. Mais pourquoi est-ce que tu ne vas pas te promener, Fanny? Je vous le dirai quand nous serons toutes les deux. J'étais impatiente qu'il s'en aille. J'avais envie de parler avec vous. Tu veux savoir ce que je pense de ces jeunes gens? Oui. Mais nous n'en avons donc pas parlé l'an passé? Non. J'étais jeune l'année dernière, les gens ne m'intéressaient pas. Les jeunes gens, tu veux dire? Oui.
Et maintenant que tu es vieille, il t'intéresse. Oui. Tu ne veux pas ressembler à sa cousine Marianne? Non. Tu ne vas pas devenir une coquette éhontée? Non. Je n'ai pas fouetté ma fille, j'ai eu tort. Toi, je te fouetterai. Si tu te conduis mal, tu entends? Oui. Mais parlons des deux cours, ma tante. Ce sont de beaux garçons. Lequel vous trouvez le plus beau? Quand j'étais jeune, j'aurais préféré Raoul. J'avais du goût pour les petites brutes de Jean. Vous trouvez que c'est une petite brute? Oui. Il dit qu'il ne comprend pas les femmes, en fait, il les méprise. En tout cas, je ne vois pas comment il pourrait en aimer une. Il ne pourrait pas la rendre heureuse, ça c'est sûr. Enfin, il est très jeune, il peut changer. Et Marcel? C'est ton préféré? Je crois, oui. Eh bien, tu es plus sage que je ne l'étais à ton âge. Tu as raison, ce garçon-là a du cœur. Tu es une gentille petite. Tu as du jugement et de la noblesse. Je suis sûre que je serai toujours fière de toi. Mais vous le trouvez un peu beau, quand même. Marcel, mais il est très beau. Oh, on s'en aperçoit moins au premier abord parce qu'il ne s'en préoccupe pas, comme son frère, ça lui est égal. Mais quand on les observe mieux, son visage est le plus attachant des deux. Je trouve, oui. Il a un bon sourire, comme un petit enfant. Je voudrais avoir 17 ans et examiner les jeunes gens que je rencontre en me demandant lequel je vais aimer. Je vais faire un petit somme avant le dîner. Sauve-toi, ma belle. Et envoie-moi Rose. Oui, ma tante. À qui écrivez-vous, maman chérie? Oh, tu m'as fait peur. Pardonnez-moi. Comment vous sentez-vous? J'ai la migraine, comme tous les jours. Mais il faut que ces lettres soient écrites. J'écris à mon amie d'enfance, Marie Robert, née de Lagrange. Elle a un très bel hôtel près du parc Monceau. Je lui demande quelques conseils à ton sujet, très adroitement. Je suis sûre qu'elle peut nous aider beaucoup. Elle est très lancée. J'espère être en assez bonne santé pour pouvoir t'accompagner à Paris. Est-ce que ça vous paraît pas incroyable de penser qu'à mon âge, je n'ai jamais été plus loin que Pont-l'Évêque? Je n'ai jamais quitté la côte. Je lui demande aussi conseils pour les robes. Elle s'habille avec un goût parfait. Elle saura nous conseiller les meilleures maisons. Mais si toutes vos amies vous donnent des avis différents? Nous étudierons leurs réponses. L'important, c'est que l'on t'invite le plus possible au dîner et au bal, dès que la saison commencera. L'année de mon entrée dans le monde a été l'année la plus heureuse de ma vie. J'ai été à mon premier bal le 3 mai. J'ai rencontré ton père le 8 juin. Et le 12 octobre de la même année, nous fêtions nos fiançailles. Moi, je ne me fiancerai pas aussi vite. Enfin, je ne le crois pas. Quand je pense que j'aurai des robes magnifiques, que je danserai à perdre la tête, que j'irai au théâtre, à l'opéra. Pensez-vous que je serai une bonne danseuse? Justement, je demande à Marie de nous conseiller un très bon professeur. Mais si vous ne pouvez pas venir avec moi, que ferons-nous? Nous te trouverons un chaperon. Nous avons des parents à Paris. Nous verrons. Allez, laisse-moi finir ma lettre, tu m'étourdis. Marcel et Raoul de cours. Si peu.
comme je suis contente que vous veniez me voir. Venez, que je vous présente à quelques chers amis qui m'aident à passer des journées qui seraient bien longues sans eux. Monsieur Jean-Charles Hébert, qui sous prétexte qu'il s'occupe de chevaux de course, refuse d'apprendre le tango. Vous le pourriez, si vous vouliez. Oh, les hommes sont d'horribles individus, ils profitent des situations les plus innocentes. Monsieur Jacques Michelet, qui fait partie de l'orchestre du casino de Trouville et qui accepte de jouer pour la pauvre provinciale que je suis. Vous dansez le tango? Non, je ne sais rien danser du tout. Ah. Levez-vous, vilain garçon, et dites bonjour à mes cousins. Monsieur Julien Breton, qui travaille à la librairie de Trouville et qui possède un grand talent de poète. Il y a toujours foule chez vous. Pas moyen d'avoir la paix. Oh, vous êtes insupportable. Levez-vous et sortez, monsieur. Je ne veux plus vous voir aujourd'hui. Et vous, est-ce que vous dansez le tango? Oui. Alors dansons. Malheureusement, il est trop tard. Si vous voulez bien accepter l'invitation de notre mère à venir à Feuillefort vendredi, à partir de 1h, nous danserons peut-être. Est-ce que ma belle-sœur est invitée, elle aussi? Notre mère souhaite réunir toute la famille. Bien sûr. Mais je m'amuse tellement mieux quand elle n'est pas là. Enfin, nous viendrons tous, des plus petits aux plus grands, des plus gentils aux plus méchants. Bien, maintenant, si vous le permettez. Allez, courez, sauvez-vous, ne perdez plus de temps avec votre ennuyeuse cousine Marianne. Si peu. Si peu. Si peu, cousine. Bravo. 7 fois 6. 42. Bonsoir les enfants. Bonjour papa. Papa, nous vous attendions pour commencer notre leçon de piano. Ah, c'est bien. Bonsoir mademoiselle. Comment s'est passée la journée? Oh, pas trop mal, monsieur. Sauf la leçon de latin. Ben, laissons-leur le temps, hein. Ils sont pas bien vieux. Bon, allez, tu commences. Pas moi. Ah, papa. Julien, ça sera toi. Vas-y, mon chéri. Qu'il allait faire beau. Dépêche-toi, Fanny, s'il te plaît. Maman chérie, je ne sais plus quoi faire. Mes bras sont trop longs. Qu'est-ce que tu racontes? Mes bras sont trop longs et je m'en étais jamais aperçue. Si tu ne descends pas immédiatement, nous partons sans toi, Fanny. Ne vous fâchez pas, ma petite maman chérie. Je descends. Voilà. Ce châle ne va pas du tout avec ta robe, Fanny. Regardez ça, maman. Est-ce que ça n'est pas horrible? On dirait des serpents. Qui te dit qu'il n'aime pas les serpents, ce jeune homme? Oh, mon ami. Chose dans l'œil ce matin, toi. Et dans la bouche aussi. Mais qu'est-ce que tu me veux, hein, méchante? T'as des visions, mon pauvre garçon. Regarde ton couvert, voyons, s'il te plaît. Occupe-toi donc de tes couverts. Tu me fais tourner la tête, sale fille. Tu sais, si je casse quelque chose, ce sera ta faute. Hein. Tu choisis mal ton moment, Émile Auguste. J'aime pas qu'on vienne me recouler dans les oreilles quand je travaille. Tes paroles disent une chose, mais tes yeux en disent d'autres. Hein. Fais attention, si tu me lances des œillères toute la journée comme ça. Je répondrai plus de moi. Hein. Même si je voulais, je saurais même pas en lancer une d'œillade. Alors, comment asseyons-nous nos invités?
vous qui les connaissez. On peut s'amuser un peu, ou bien vous voulez que ce soit très sage. Amusons-nous. Eh bien, d'abord, il faut que Gabriel Accard soit assis près de moi. Il me fait la cour. J'adore ça. Et Alix est furieuse. À côté de Gabriel, mettons Lucie Villatte. Et Paul Beaupuis, il est médecin et elle est toujours dolente. Ils auront de quoi parler. Nous allons vous mettre entre Charles Villatte et Louis Erard, qui est un brave garçon. Belle femme. À côté de Paul, Marianne Erard. J'ai une idée amusante pour le voisin de Marianne, mais je ne sais pas si vous serez d'accord. Mon mari? Oui. Pourquoi pas? C'est toujours amusant de voir les gens faire exactement ce qu'on attend d'eux. Bien dit, ma chérie. Près d'Henri, nous mettrons Alix, pour qu'elle voie de près la conduite de sa fille. Marie! Près d'Alix, les enfants, vos fils, l'ami de Marcel... Et la petite Fanny. Et c'est une parole de partir de plaisir. Bon, ensuite. Merci de nous donner mon petit spectacle. Non, c'est un honneur, quoi. Non, c'est un honneur, quoi. Il s'agit donc d'un blanc. Bien, mangez plus dignement. Quoi, plus dignement? Les enfants, les enfants. Tailleur. Non, je mange. Tailleur japonais. Tailleur. Oui, oui. Tailleur. Essayons de se distraire. Ah oui? C'est autre chose. Je ne suis pas triste en disant ça. C'est plus gai pour les maîtres que pour les serviteurs. Hein. Ce qu'il y a, c'est que les maîtres sont allés à Trouville hier au soir. Ils sont rentrés tard. Alors, le temps que je déshabille madame, que je monte lui apporter un petit encas comme elle avait faim, j'étais au lit à 3 heures. Et lui à 5. J'ai pas eu mon compte. Ah. Ça va passer, c'est la digestion. Où elles vont, ces assiettes? Non, laisse. Non, mais attention, quand j'ai décidé quelque chose, j'ai pas l'habitude qu'on me contrarie. Mets-le dans l'office, c'est la première porte à droite. Si tu lui fais encore un sourire, je lui casse la main, moi. À ta place, je m'y risquerai pas. À Mogador. Les Allemands envoient leur panthère à Agadir, et ben nous, nous n'avons qu'à envoyer notre tir à Mogador, et voilà. Non, Caillot n'est pas homme à taper sur la table, que voulez-vous? Enfin, voyons ce que Cambon va obtenir. Il n'obtiendra rien. Merci. Il leur donnera le Congo. Ils le veulent, le Congo? Eh ben, il n'y a qu'à le leur donner. Père. Oui, alors, mon père faisait du bœuf de boucherie, oui. Avait des bœufs de génisse, en plus des laitières. Moi, je fais surtout des laitières. Eh oui, Louis est un tendre. Cela l'attriste de tuer des bœufs qu'il a nourris de sa main. Mais c'est vrai. C'est vrai, je les vends très jeunes, puis je les fais engraisser par d'autres. Hein? C'est que j'ai préféré porter tous mes efforts sur les produits laitiers et sur ma fromagerie. Et malgré son cœur tendre, Louis est le plus prospère d'entre nous. Et vous, le plus modeste. Comment vont les affaires ici en ce moment? Ah, ça a été une bonne année pour les pommes. Pour les précoces et les tardives. Et comme il se doit, le cidre reste muet dans le verre. Il pétille, mais mousse à peine. Et mon cousin Charles va agrandir sa cidrerie. Hein? Et les fromages? On en mange, heureusement.
Mais au Quai d'Orsay, ils ont été fortement diminués. On a même parlé de rupture diplomatique avec l'Allemagne. Et Lloyd George a fait un superbe discours. Pas de paix humiliante. Merci. Dites-le moi mieux que ça. Merci. Raoul. Je tiens à lui donner toutes les chances de trouver un bon parti. Évidemment, si nous habitions Paris nous-mêmes, je me tourmenterais moins pour son établissement. Les enfants, ne vous échauffez pas ainsi. Quand je regarde ces enfants, je me souviens de moi à leur âge. Je me souviens de l'anniversaire de mes 12 ans. Quelle fête nous avions fait. Tu étais venue avec ton mari. Le pauvre, il était déjà mort. C'était il y a 2 mois. Et tu as toujours eu 15 ans de plus que moi, ma pauvre chérie. Quand j'avais 12 ans, tu en avais déjà 27. 67. Il n'y a pas moyen d'avoir la moindre discussion avec toi, ma pauvre fille. On a dit que tu m'ennuies, hein. Tiens, va donc sauter à la corde avec les enfants de ton âge. Adélaïde, tu m'énerves. Tu peux me répéter que tu es ma cousine Germaine et qu'en famille, il faut se tenir les coudes. Nous finirons par nous brouiller. Tant mieux, j'adore les réconciliations. Ça me fait pleurer. Elle sait que j'ai le cœur délicat. Elle voudrait que je m'énerve au point de tomber reine morte dans l'herbe. Comme son pauvre mari. André est mort dans la cave. En allant chercher de la fine. Oh, ça. Vous voulez voir les chevaux? Allons-y maintenant, qu'en dites-vous? J'ai dit oui. Je vous défends de vous lever. Hélas, je ne suis pas obéissante du tout. Adieu. Comparer Athènes et Rome, autant comparer un temple à une boutique. En y réfléchissant 2 minutes, on peut trouver un nombre assez déprimant de points communs. Mais enfin, le temple peut être des boutiques. Soit, mais en aucun cas, les boutiques ne peuvent être des temples. Quoique, le temple du bon goût, le temple des gourmets. Ma cousine Marianne vous a abandonné. C'est à moi que vous parlez? Pour le moment, mais Dieu sait quand cela se reproduira. Votre frère est dans l'artillerie. Oui. J'ai jamais pu m'entendre avec les artilleurs. Quand je les regarde, je vois toujours la gueule d'un canon comme un œil de cyclope au milieu de leur front. Je vais faire du cheval à ce soir. Au revoir. Comment peut-on être à la fois si charmeur et si chaleureux? Oh, tu parles, on entend que ta voix. Ma petite fille, j'ai toujours pensé que les gens qui ne disaient rien étaient ceux qui n'avaient rien à dire. Eh bien, moi, j'ai toujours pensé que ceux qui parlaient trop parlaient pour se fuir. Parce que dans le silence, leur pensée les effraie peut-être. Je vais vous révéler mon horrible secret. Dès que je me tais, même si je ne suis pas seul, même au moment où quelqu'un me parle... Et que tu n'écoutes pas. Et que je n'écoute jamais. Je vois immédiatement surgir devant moi ma propre tête que des vers tout roux sont en train de dévorer. Quand les gens ne parlent pas, ce n'est pas toujours parce qu'ils n'ont rien à dire. C'est souvent parce qu'ils savent que ce qu'ils ont à dire n'intéressera personne et que personne ne les écoutera. Réflexion pleine d'amertume ne peut pas te concerner, ma petite chérie. Tu sais très bien que nous adorons t'entendre parler. Non. Vous adorez tous les deux vous entendre parler vous-même. Et c'est tout. Vous pourriez être seuls, chacun devant une glace, vous seriez aussi satisfaits. Plus même. Jamais ma sœur ne m'a parlé si méchamment. C'est de votre faute. C'est parce qu'elle sent que ce qu'elle dit ne vous intéresse pas. Alors elle me connaît bien mal. Tout m'intéresse. Même le braiement des ânes. Tu sais de comprendre ce qu'il veut dire. Gifle-le, ma chérie, c'est tout ce qu'il mérite. Vous êtes deux serins. Je vais à Barneville voir un cheval dont Louis Rare m'a parlé. Ne m'attendez pas pour dîner, je mangerai quelque chose en rentrant. Mais je croyais que ce soir, vous deviez revoir les livres de compte de la propriété. Bah, j'ai commencé, puis j'en ai eu assez. Je ne tiens pas en place à la campagne, vous le savez. Oui. Alors, bonsoir, ma chère.
Bonsoir, Armand Hademan. Bonsoir, monsieur Lecourt. Bonsoir, madame. Bonsoir, Armand. C'est pas trop chaud à rester comme ça, assis au soleil. Il suffit de vous regarder pour avoir froid. Expliquez-moi ça. Vous me regardez avec des yeux glacés. Moi ? Qui m'a envoyé un mot pour me dire qu'il serait à la plage aujourd'hui et qu'il aimerait m'y voir ? Je ne sais pas. Qui ? En tout cas, je suis vous. Alors, il devrait être content. À sa place, je le serai. Si tu allais voir ce que fait Ève, ma Fanny. J'ai un secret à dire à Raoul. Pardon si je vous ai dérangé. Merci d'être venu. J'aime bien venir à la mer. Et moi, est-ce que vous m'aimez bien? Non. Tant mieux. J'ai horreur qu'on m'aime bien. C'est un homme qu'on peut détester ou... Ou... C'est un homme qui peut rendre une femme folle. Et mon père, vous l'aimez comment? C'est un petit curieux. Moi, en tout cas, je ne vous aime pas du tout. Ah oui? Je n'aime pas beaucoup les femmes. Mais il y en a que je désire. Mademoiselle, vous ne pouvez pas rester assise là, toutes les tentes sont réservées. Mais si je gêne, il n'y a personne pour le moment. Je ne vais pas salir votre salle. Vous ne pouvez pas rester, c'est tout, c'est le règlement. Je m'en vais. Lucien! Alors, tu étais parti comme ça? Pourquoi t'en as eu un, là, tu sais? Ça va, t'as pas trop chaud? T'as bien mis ton chapeau? Oui, ça va. Mademoiselle. Chasseur de voiture, c'est ça? Oui. Je crois pas que ça allait trouver que je me sois assise dessus. Je m'en vais. Non, pourquoi? Je me présente. Baron Alphonse de Berre. Georgette Pommier. Si vous n'avez pas peur de la vitesse, je vous propose de faire une promenade en voiture. J'ai pas peur de la vitesse. J'ai peur de rien, d'ailleurs. Parfait. Blanche.
pas possible, j'ai l'air de se lever. C'est moi, Georgette. Georgette? Qu'est-ce que vous voulez? Je sais pas, il doit être dessert. Oh, tant mieux, il en reste quatre. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Eh ben, je vais dire au revoir. Je pars à Paris demain matin. Où ça? À Paris, tu sais pas ce que c'est, Paris? Tu pars à Paris? Ouais. C'est l'heure de se réveiller? Non, non, non. C'est ma cousine, elle va me dire au revoir. Elle part à Paris. Bon, tu m'écoutes? Je suis passée à la maison. J'ai pas réveillé les parents pour avoir la paix. Mmh. J'ai pris mes affaires, ils le verront. Mmh. Hein. Alors, t'auras qu'à leur dire ce que je t'ai dit. Oh, mais moi, je sais pas si je les verrai. Oui, bah, t'as bien des gens d'ici qui passent par là, ils ont qu'à leur dire. Oui, oui. Ces parents, c'est un monsieur, je t'assure. Oh, je savais que j'aurais pas une vie d'esclave comme ma mère. Je savais que j'aurais une autre vie. Loin de ce trou. Et Paris, tu te rends compte? Moi, ça me ferait un peu peur de partir comme ça. Il y a des gens à qui il n'arrive rien parce qu'ils ont peur de tout, ma pauvre petite. C'est pas un palais ici, hein. Enfin, chacun son destin, hein. Bon, allez, adieu. Et comment tu retournes à Trouville? Il m'a prêté sa voiture et son chauffeur. Dans sa chambre, dans son lit, dans ses bras. Le paradis sur terre, ça existe. Bah dis donc. S'il y avait vraiment une voiture, elle raconte toujours tellement de romans, Georgette. Ben, écoute, si t'entends une voiture. Ça, c'est le pas de Georgette. Ça doit être vrai. C'est la première fois que je resterai si longtemps sans te voir. C'est vous qui avez décidé de rester à Feuilleforte. J'aimerais croire que je manquerai à l'un d'entre vous en restant ici. Peut-être à Marcel. Peut-être à Marcel. En tout cas, je suis sûre que c'est le seul qui m'écrira. Probablement. S'il y a quoi que ce soit, passez par Armand. Il me tiendra au courant de tout par des messages réguliers et je lui ferai parvenir mes instructions. Parfait. Ainsi, j'aurai de vos nouvelles. Vous en aurez plus directement. C'est très aimable de votre part. Bien, si vous ne voulez pas manquer votre train... Au revoir, ma chère. La distribution du courrier est un moment important de la vie militaire. Et... Même si tu ne m'écris pas, je t'écrirai, moi. Merci. Au revoir, grand-mère. Femme dont le mari vient de partir pour une absence assez longue. Oh, ma chère mère, ne vous moquez pas de moi. Lorsque j'ai eu 18 ans, mon père et votre mari s'étant mis d'accord, j'ai épousé Henri. Quand j'ai eu 22 ans, il m'aimait déjà plus. Et depuis 20 ans, il m'ignore. Quand je lui pose une question, il me regarde d'un air surpris, comme s'il pensait, tiens, vous êtes encore là, vous? Malgré l'habitude que je devrais en avoir, ça m'humilie. M'attriste ou me met en rage, suivant les moments. Bref, il est parti et je me sens plus légère, voilà. La la la, la la la. Oh, si nous allions en ville dépenser de l'argent pour des bêtises. Oui, 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 oui.
Laisse-moi porter ça. On te prend pour un vrai baudet, ma parole. Tais-toi donc. Il n'y a pas d'homme à Feuille-Forte? Bah, Émile Auguste est parti en ville avec ses dames. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Je passais devant chez vous, je suis entré prendre un verre d'eau avec l'idée de te dire bonjour. Et Annette m'a dit que tu étais parti ramasser le linge. Eh oui, alors? Après le souper ce soir, je t'attends sur la plage. Je viendrai. C'est vrai? Oui. Bonjour. Vous venez chercher Robert? Oui. Vous descendez me dire au revoir? Bon. Robert, dis au revoir à maman. Elle vient tout de suite. Et vous, quand est-ce que vous partez pour Paris? Après Noël, j'espère. Et qu'est-ce que vous ferez à Paris? Tout. Est-ce que vous pouvez imaginer que je n'ai jamais été au théâtre, ni au concert? Je ne sais rien, je n'ai rien vu. Je ne sais même pas danser. Moi non plus. Mais je sais que j'adorerais ça. Je danserai jusqu'à ce que mes pieds saignent. Mais voilà, excuse-moi, mon vieux. Au revoir, ma chérie. Je déteste quand tu pars. Je vais sûrement être méchante avec tout le monde aujourd'hui. Octobre, novembre, décembre. Dans 3 mois, tu seras avec moi à Paris. J'ai tout le temps peur qu'il arrive quelque chose et que ça m'empêche de partir. Monte voir maman, elle est un peu triste. Oui. Au revoir. Si vous avez un petit moment à accorder à une vieille connaissance, au milieu de votre tourbillon parisien, je vous amènerai au concert. Merci. Robert est parti avec Marcel Decour. Marcel me traite toujours comme une petite fille. À Paris, je sais que je serai différente. Et il sera bien forcé de s'en apercevoir. Qui m'accompagnera à Paris si maman est malade? Mon Dieu, faites que tout aille bien. Je voudrais déjà que Noël soit passé. Je voudrais qu'on arrive à Paris et que la femme de chambre de tante Albert nous ouvre la porte. Ah, pour une surprise, c'est une surprise. Lucie a eu peur de ce voyage. Elle a une si petite santé. Comme il n'était pas question de priver cet enfant de son séjour à Paris, j'ai repris du service. Bonjour, mon petit. Mon Dieu, en 3 ans, c'est fou ce que tu as grandi. C'est fou ce qu'elle a grandi. Bonjour, Martin. Oh, quelle fougue! Pardonnez-moi, c'est le bonheur. Entre. C'est ma chambre? Oui. Que c'est beau. Merci. Elle est déjà pleine de choses merveilleuses que je vais y vivre. Ce miroir verra toutes les robes que nous allons m'acheter. Ici, je mettrai les programmes de tous les spectacles que j'aurai vus. Cet oreiller sera tous mes secrets. Et les lettres de tes adorateurs, tu les mettras où? Dès que je suis entrée, j'ai choisi un endroit. Mais c'est un secret. Le voyage ne t'a pas trop fatiguée? Tu ne veux pas te reposer? Je suis pas comme toi, ma pauvre vieille. Moi, j'ai horreur de dormir le jour. Tu as tort. Rien de plus réparateur qu'une sieste. Tu me trouves changée? Pas trop. Toujours aussi menteuse. Par contre, la dernière fois que j'ai vu la petite Fanny, il y a 3 ans sur la côte, elle promettait plus qu'elle n'a tenu. Ce qui veut dire? Je ne la trouve pas aussi jolie que je l'aurais cru. Ses traits sont trop grands. Vraiment? Tu ne sais peut-être pas que j'aime cette petite plus que ma propre fille. Eh bien, je te dis, moi, que c'est une beauté. Tu l'aimes trop. Tu ne la vois pas comme elle est.
Mais tu n'as jamais su ce qu'était la beauté, ma pauvre vieille. Depuis le premier garçon dont tu t'es amourachée jusqu'à ton mari, Dieu et son âme, ça a été le musée des horreurs. Ça n'a rien à voir, je ne les ai pas aimés pour leur beauté. Ah, ça tombait bien. Comment va Gabrielle? Tu veux que je te dise? Je voudrais avoir l'âge de Fanny et tout recommencer. Tu regrettes la vie que tu as eue? Non, mais je trouve qu'une seule vie, c'est peu. J'aurais aimé en avoir au moins encore une autre à vivre. Je vois avec tristesse que tu raisonnes toujours comme une païenne. Une autre vie t'attend, Alix. La vie éternelle. Oh non, tais-toi, Albert, où je vais habiter l'hôtel. J'ai horreur des bigotes. Oh. Ne boude pas. Ne boude pas, ma vieille. C'est peut-être la dernière fois que nous sommes ensemble. La prochaine fois que nous nous rencontrerons, nous aurons sans doute des petites ailes dans le dos. Toujours optimiste. Maintenant, tout ce que je souhaite, c'est que cette petite réussisse sa vie. J'ai rencontré Marcel Decourt hier soir chez les Berthier. Il était très surpris de savoir que tu étais là depuis un mois. Qu'il soit surpris, c'est très bien. Tu n'en as pas assez, des cours de danse et des essayages? Je veux que tout se passe exactement comme je l'imaginais. Et quand je serai prête, je ferai savoir à Marcel Decourt officiellement que je suis à Paris et qu'il peut m'accompagner au concert. Et tu essaieras de lui briser le cœur. Exactement. Thank you.
Bonsoir, mesdames. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. La table de Madame Accard, s'il vous plaît. Pas trop fatiguée maintenant? Oh, je ne me suis pas sentie aussi bien depuis 20 ans. Quelle splendeur, Sonnyvinsky. Malgré mon âge, j'aurais eu envie de m'envoler dans les airs avec cet homme-là. Et toi, ma chérie? Ça t'a rendu muette? Je veux vivre. Vous ne comprenez rien. Mais si, ma petite fille. Tu es dans un état de grande exaltation. Tu voudrais ne connaître que des moments comme celui-là et tout le reste te paraît sans intérêt. Oui. Eh bien, moi, ça m'a donné très faim. Si nous commandions. Ne commandez rien pour moi, s'il vous plaît. Mais tu avais pourtant très envie de dîner ici. Oui, je sais, mais je ne pourrais rien avaler. Mais je suis très heureuse d'être ici. Et puis nous reviendrons, n'est-ce pas? Mais oui, quand tu voudras. Champagne? Non, d'abord un Bordeaux. Et puis le champagne avec un soufflet glacé. Très bien. Excusez-moi un moment. Toutes ces émotions pour quelqu'un d'aussi imaginatif, d'aussi passionné que cette petite, Dieu sait ce que ça va donner. Vous êtes Fanny Villatte, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que je peux vous aider? Je ne sais plus du tout où je suis. Je ne pourrai jamais retrouver mon chemin. Et je suis très fatiguée maintenant. Eh bien, si vous dites à ce monsieur où vous habitez, nous allons vous ramener chez vous. 38 boulevard de Courcelles. Pas paraître indiscret, mais que faites-vous toute seule dans les rues à cette heure-ci? C'est très indiscret. Je ne vous le dirai pas. J'ai froid. Vous n'avez pas de gants? Je les ai oubliés. Vous avez demain à jeûner? Oui. Je vous demande pardon.
J'ai froid. Bonsoir, Fanny. Vous me laissez partir, sans rien me dire d'autre? Bonsoir, Fanny. Pardon. Nous ne l'accorderons pas. Je vous demande pardon, ma tante. Oh, je veux boire quelque chose d'un peu fort, ma vieille. Oh, Dieu soit loué, il ne t'est rien arrivé. Merci. Mais encore une plaisanterie comme celle-ci, mademoiselle. Et nous retournons au rouloir. Oui, ma tante. Enfin, est-ce qu'on peut tout de même savoir ce qu'elle a fait? Rien. J'ai marché dans les rues. Je suis fatiguée. Je voudrais aller me coucher. Va te coucher. Nous parlerons demain. De vous revoir. À des mains, il y a si longtemps. Voici Fanny. Ma petite Fanny. Mais vous êtes tout à fait ravissante. C'est le grand jour, n'est-ce pas, mon petit? J'espère que cette soirée sera un de vos plus beaux souvenirs. Votre mère et moi avons été à notre premier bal ensemble. Ah là là. La vie s'en va. Vous connaissez Robert? Oui. Réginald, viens, mon grand. Cher Alix, je vous présente Réginald, mon fils. Bonjour, Réginald. Et voici Fanny Villatt, la fille de ma chère Lucie. Tu connais Robert? Me permettez-vous de vous présenter quelques-uns de mes amis? Oui. Excusez-moi, madame. Ne t'éloigne pas. Je pense que tout va très bien se passer. Il y a ici ce soir quelques jeunes gens tout à fait charmants. Je vais examiner tout ça. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Quelle tête de linotte, cette pauvre Bérangère. Enfin, elle a son utilité. De la Grange est un valseur intelligent. C'est à moi qu'il faut promettre toutes vos valses. Quel est le verdict, mademoiselle? Avec lequel d'entre nous valserez-vous? Excusez-moi. Raoul? Raoul? C'est moi, Fanny. Je ne vous reconnaissais pas. Vous êtes seul? On l'est toujours, non? Marcel n'est pas venu? Il ne fréquente pas ce genre de mauvais lieux. Par contre, moi, je les fréquente. Pour diverses raisons. Tiens, Raoul, quelle bonne surprise. N'est-ce pas? Je te rappelle qu'en tant que frère aîné, j'ai droit à ta première danse, ma chérie. Thank you.
On t'accorde que ce soir, Fanny n'est pas brave. Ah, c'est une jeune fille un peu maladroite, trop longue et trop maigre, mais elle sera probablement une jolie jeune femme. Bien. Attends, veux-tu me montrer ce que tu appelles, toi, une jolie jeune fille? Je trouve la jeune fille blonde là-bas, près du buffet, tout à fait charmante. Ça ne m'étonne pas, elle ressemble à la cousine Adélaïde. Et qu'est-ce que tu racontes? Elle n'a pas 20 ans. Ben, quand elle était jeune. J'ai toujours eu en horreur ces jolis minois et ces jolis frimousses. J'aime les vrais visages, ceux qui ont de la force. Tiens, tu reconnais cet homme qui passe devant elle? Le petit vieux à monocle? Oui. Oh, quelle question! C'est le père de ce pauvre Max qui était amoureux de moi et qui sautait par-dessus trois chaises pour m'éblouir. Mmh, eh bien non, ma chère Alix. C'est Max lui-même. Bon, bon, d'accord, c'est Max lui-même, c'est Max lui-même. Enfin, je vois pas ce que ça a de tellement drôle. C'est même plutôt sinistre. Regarde ce vieux Max qui fait les yeux doux à une routine. Tu crois qu'il va sauter par-dessus trois chaises pour l'éblouir? Non, je pense qu'il va falloir qu'il trouve autre chose maintenant. Hein? Apporter un rafraîchissement. Non, merci. Par contre, vous pouvez nous apporter deux coupes de champagne, mon garçon. Avec plaisir, mesdames. Tu parles. Alors, ma chérie, est-ce que c'est encore plus beau que dans tes rêves? Je suis fatiguée. Je veux rentrer. Tiens. Explique-moi ça. Bonsoir, ma chère Alix. Bonsoir, Fanny. Henri. Je suis ravie de voir un visage familier. Albert, tu connais Henri de Cour, bien sûr. Vous permettez que je fasse danser ma jeune cousine? C'est elle-même qui accorde ou qui refuse ses danses. Je veux bien. Mesdames. Merci. Merci bien. Pourquoi êtes-vous venu si tard? Parce que je ne voulais pas venir du tout. Je veux être seule avec vous. Thank you.
c'est que ça. Vous avez froid, vous frissonnez. Je brûle. Si je suis venu finalement... Ne me dites pas les choses raisonnables que vous ne pensez pas. Il faut pourtant que vous m'écoutiez. Dites-moi les choses folles que vous pensez. Je ne les ai vus nulle part. Oh, voilà Fanny. Seule. Nous partons, mademoiselle. Où est monsieur Decoux? Il est parti. Il a eu peur de se retrouver devant moi, je suppose. Peut-être. Joli monsieur. Bonsoir, ma chère. Une merveilleuse soirée. Merci, à bientôt, j'espère. À bientôt. Au revoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, très chère. Excusez-nous. Je l'aime. Le vieux con, tu es folle, ma pauvre fille. Demain, j'irai lui casser les dernières dents qui lui restent. Ah non, pas de scandale. Déjà ce soir, tout le monde a dû voir que vous étiez éclipsés ensemble. Ça suffit. Je me moque de ma réputation. Il m'aime, c'est tout ce qui compte pour moi. Je ne veux plus entendre ces sottises. Demain, nous rentrons à la maison. Et maintenant, allez-vous coucher, mademoiselle. Mais c'est impossible. Vous ne pouvez pas être aussi cruelle. Pourquoi je n'ai pas le droit d'aimer qui j'aime? Je ne suis pas une prisonnière, je ne partirai pas. Je veux rester près de lui. Bonsoir tout le monde, je suis brisée, je vais me coucher. Malgré tout, j'aurai deux mots à dire à Adélaïde. Ne te tourmente pas trop, ma grande. Je vous déteste tous. Je ne veux plus jamais vous voir, ni vous parler. J'ai le cœur brisé, ma tante. Je ne l'oublierai jamais. Rien de tel que de partir pour être content de revenir. Quelle belle journée.